Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment télécharger et imprimer un document que tu aurais fait dans Canva. Donc, je suis présentement dans le site Canva et j'ai ouvert un fichier, donc un document que j'ai créé. Je suis rendue à l'étape de le télécharger. Donc, en haut à droite, je vais cliquer sur « Partager » et un peu plus bas, je vais choisir « Télécharger ». Donc, dans les choix de téléchargement, je vais aller choisir « En impression PDF ». Donc, je veux que mon document devienne un PDF. J'aurais aussi pu choisir une image, mais l'idéal, quand on a un document, c'est d'avoir l'impression PDF. Par la suite, je vais aller sélectionner les pages que je veux imprimer. Dans mon document, j'ai présentement deux pages, mais je pourrais aller sélectionner une seule des deux pages. Dans mon cas, j'aimerais avoir les deux pages, donc je laisse les crochets tels quels. Par la suite, j'appuie sur le bouton « Terminer » et je vais aussi cliquer sur le bouton « Télécharger ». Donc, le téléchargement va se faire dans mon ordinateur. Donc, on voit ici le téléchargement. On me demande à quel endroit je veux le télécharger. Ça va être sur mon bureau. Je lui donne le nom et je fais « Enregistrer ». Donc, le téléchargement est en train de se faire. Maintenant, je vais être prête à l'imprimer. En fait, c'est que j'ai téléchargé un document PDF. Donc, si je l'ouvre, par exemple, je suis maintenant dans mon PDF et je peux utiliser mon imprimante et imprimer mon document.